Conan, dans les extensions toujours, cette fois-ci l'extension Nordheim. L'extension Nordheim, c'est un travail de Fred Henry toujours, de Croc, et eh oui, et de Sipik, que je ne connais pas. Et on voit là qu'a priori, il y aura des gens plus grands que Conan. Derrière, comme dans toutes les boîtes, et sans surprise, hein, des nouveaux persos, des nouveaux personnages joueurs et ennemis, des nouvelles maps. Le nouveau personnage joueur, Njord. Le nouveau livre de scénario qui reprend les nouvelles maps. Regardez pas. Les nouveaux personnages tirés des figurines. La map, on va avoir une forêt enneigée, avec ses bosquets pour se cacher, les pierres, le cadavre d'un élan. On comprend qu'on s'est aventuré un petit peu dans les montagnes, là où il fait froid. Et un campement, pareil, dans la neige, avec des zones un petit peu concentriques. Et pour animer tout ce beau coin, des nouvelles figurines. Donc des nouvelles cartes sorts et équipements et des nouveaux personnages. Des personnages amis. Parce que Conan arrive aussi à se faire des copains. Des personnages ennemis, typés un peu plus vikings cette fois-ci. Et des personnages ennemis pas rigolo, pas rigolo. On peut voir hein, à chaque fois c'est. C'est impressionnant, mais voilà, la différence de taille, on a bien affaire à des géants. On a même une envolée d'oiseaux. Tout ça a son importance, tout ça va pouvoir rentrer dans le jeu. Alors que vous viviez des aventures uniques ou des campagnes, que vous jouiez sur le jeu de base et que vous vous demandiez comment pouvoir intégrer Nordheim à tout ça. Les règles sont les mêmes, mais pour savoir comment on joue à Conan, pour ça, il va falloir écouter l'émission.